Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin Zakara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Fallout 4 pour l'épisode numéro 15. Et rappelez-vous, dans le dernier épisode, on avait été sauvé le détective Valentine. Ensuite, on avait été dans son bureau pour discuter avec lui à propos de notre fils. Et on a eu quelques informations, voilà, a priori, il serait retenu, a priori, hein, je dis bien, par un dénommé Kellogg. Donc, ça sera à voir dans la suite de l'aventure, mais ce qui est déjà bien... c'est qu'on découvre de plus en plus d'informations à propos de notre gamin. Voilà, et donc aujourd'hui, on va devoir trouver la clé pour ouvrir le fameux appartement du dénommé Kellogg. A priori, on va devoir aller voir le maire, hein, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite après avoir mis les points de compétences. Parce que ça fait déjà pas mal de temps que je devais mettre les points de compétences et je ne l'ai toujours pas fait. Alors, oui, je voulais mettre aussi les points de compétence pour tester du coup un petit peu si je pouvais crocheter la porte. Parce qu'on a pu voir dans le dernier épisode que j'avais voulu essayer de le faire, mais j'avais pas pu le faire à cause de mon crochetage qui était trop faible. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Alors, niveau 2. Bon, a priori, on peut pas mettre niveau 3. Donc déjà, on va rester sur 2, ça sera déjà pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir la porte, du coup? Alors, il me reste 9 points. Je vais mettre, du coup, sur le charisme. Parce que ça permet, du coup, de séduire ou convaincre à persuader les interlocuteurs et à payer le prix que vous voulez. Donc voilà, ça peut être plutôt pas mal. On va mettre ça. On va même le mettre à fond. Parce que c'est une des aptitudes qui pourrait le plus nous servir à notre niveau. On peut mettre aussi une étoile sur la chance. Une étoile sur l'intelligence. Une étoile sur la perception. Et une étoile sur la force. Voilà, donc je pense que c'est à peu près bien réparti. Voilà, c'est bon. Nickel. Donc du coup, comme on a augmenté notre crochetage, on va essayer d'aller voir si on peut ouvrir cette fameuse porte. Le bureau du maire est près de l'entrée de la ville. Le verrou tient bon. Faut prendre une plateforme. Ok, cette serrure est trop difficile à crocheter. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Je doutais vraiment qu'on arrive à ouvrir cette porte avec seulement 2 étoiles dans le crochetage. Il nous en aurait fallu peut-être 3 ou même 4. Mais bon, c'est pas grave parce que du coup, on va pouvoir trouver cette fameuse clé a priori chez le maire. Allez, Kotzorks, bouge-toi un petit peu, on n'a pas toute la journée. Allez, mon gros tas de ferraille, monte là-dedans. Allez, allez, encore un petit effort là, faut avancer encore un peu. Bon bah tant pis. Hein. Il veut pas monter, tant pis. Ah mais tu sais qu'il tient en plus ce con. Il tenait sur le bord du machin quoi. J'ai bien cru qu'il allait se casser la figure. Ah c'est bien un pitre celui-là quand même. Pourquoi le maire refuse de sortir de son bureau? Il a peur de parler à la presse, c'est ça? Je parie que si j'avais une carte de l'Institut, il serait déjà là depuis longtemps. On ne vous a jamais dit qu'on obtenait plus facilement ce qu'on veut des hommes quand on leur parle avec douceur, très cher? En hurlant moins, par exemple? Tiens, ça me rappelle un article sur lequel je travaille en ce moment. Ça parle d'une aventure du maire avec une certaine blonde un peu niaise. Ah, mais regardez qui voilà. Qu'est-ce qui vous amène au bureau du maire? Salut, Piper. Alors, vous d'abord, voir le maire, ne pas répondre, Kellogg. On va lui demander ce qu'elle veut, elle, d'abord. Et vous?
Qu'est-ce que vous faites ici, Piper? J'essaie de découvrir pourquoi le maire reçoit toujours le même messager à l'air louche toutes les semaines. Il ne vient d'aucune colonie connue, il n'appartient à aucune caravane. Il arrive et repart aussi sec, sans jamais adresser la parole à personne d'autre. Un larbin de l'Institut, peut-être? Quand l'article sera publié, tout le monde se posera la même question. Si vous n'avez rien à faire ici, okay, mademoiselle Piper, je vous demande de bien vouloir quitter la réception. Le maire aimerait consacrer du temps à des citoyens plus responsables. J'allais partir, de toute façon. Oula, ça a l'air de chauffer entre eux. Ils ont pas l'air d'avoir trop une bonne entente. Bonjour, madame. Le bureau du maire est ouvert aux visiteurs, tant qu'ils ne sont pas journalistes. C'est à quel sujet? Alors, du coup, clé d'une maison, allez voir le maire, rien, maison de Kellogg. Alors, on va lui dire clé d'une maison. À qui je dois m'adresser pour obtenir la clé d'une maison mise sous scellé? Si vous parlez d'un logement qui a été saisi par la municipalité, nous n'en avons qu'un dans nos registres, la vieille maison de Kellogg. Si vous voulez les clés, il faudra vous adresser directement au maire. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut voir le maire direct ou pas? Vous ne pouvez pas m'aider, sarcastique, c'est urgent, merci. On va lui demander si elle peut pas nous aider. Vous ne pouvez vraiment pas m'aider? Et si je le pouvais, pourquoi je le ferais? Faites-moi confiance, soudoyez pour 250 capsules, laissez tomber ou retrouvez mon fils. Tiens, retrouver mon fils, ça pourrait être une bonne idée de persuader la dame. J'essaie juste de retrouver mon fils. Il a été enlevé par l'homme qui vivait dans cette maison. Vous avez l'air sincère. Nickel. D'accord. Je vais poser cette clé sur mon bureau et je vais oublier qu'elle était là. Votre fils a de la chance d'avoir un père comme vous. J'espère que vous le retrouverez. Ok, merci madame. En tout cas, c'est très gentil. Nickel. J'oublierai pas, hein. Attention à ce que vous faites à proximité du maire. Oh, tu nous as pris pour quoi, toi? Des brigands, quoi? Ah bah tiens, le maire, il est là. Je suis bien occupé pour prendre le temps de discuter. Je suis le maire, après tout. Monsieur McDonough. Excusez-moi, mais je suis très occupé en ce moment. Ok, d'accord. Bon bah tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ouais, rien de spécial, hein. Bon, on va vite partir. Parce que c'est pas tout, mais on a un appartement à ouvrir, nous. Allez, gros tas de ferraille, grimpe là-dedans. Donc, nickel, hein. On a pu obtenir la clé. Je pensais vraiment pas réussir à l'obtenir sans la soudoyer pour des capsules. Mais bon, on a réussi à le faire, donc c'est nickel. Au moins, ça nous a pas coûté un seul rond. Allez, on va aller voir Valentine. Pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'on a trouvé la clé. Petit conseil, ne traitez jamais votre mère de synthétique, sauf si c'en est vraiment une. Je pense qu'il va être content. J'ai la clé. Vous avez la clé? Ouais, je l'ai. À vous l'honneur. Ok. Allez, on entre dans la maison de Kellogg. Faisant le tour du propriétaire, Kellogg a peut-être laissé traîner quelque chose. Ok. Donc on sait pas trop qu'est-ce qu'on doit chercher. C'est petit, non? Je pensais que les types comme Kellogg voyaient plutôt les choses en grand. Ouais, c'est vrai que c'est petit quand même, hein, cet appartement-là. Alors, des menottes. De vulgaires déchets. Rien d'intéressant ici. Vous avez fouillé le bureau? Attends, je vais aller regarder le bureau. Alors, un ventilateur. Bloc-notes. Essayez de trouver un truc qui aurait rien à faire ici. Un interrupteur, un bouton. Ok, un interrupteur, un bouton. Non, ça c'est une plaque chauffante. Un balai.
Là, il y a bien des câbles, mais j'ai l'impression que ça relie à rien du tout. Alors. Ouais, il y a rien. Il y a rien du tout, j'arrive pas à trouver. Là, il y a quelque chose là-haut. Non, rien du tout. Il y a que dalle. Il y a que dalle, Valentine. Nick. Kellogg est un malin. Il a sûrement rien laissé traîner à portée de main. Cherchez dans tous les coins. Ok, chercher dans tous les coins. Ah, il y a un bouton là. Il y a un bouton. Est-ce que ça serait pas ça? Voilà, bouton. Ça alors, dans le genre compartiment secret, c'est du lourd. Ok, d'accord. Ah, il est malin ce Kellogg en fait, hein. Regardez-moi ça. Tout l'attirail du parfait petit mercenaire. Ouais, c'est vrai qu'il y en a des armes et des munitions ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher? Oh, Valentine. Regardez-moi ça. Les petits trésors de Kellogg. Ouais. C'est de la bouffe, quoi. Ah, des sling packs, ça je vais les prendre, ça m'intéresse. Des cigares. Ah bah tiens, boîte de cigares. De la Gwinnett Stout. Des munitions, calibre 44. Et des cigares, San Francisco Sunlight. Elle est pas mal cette marque. Par contre, ça va pas nous mener loin. Ok. Alors, une suggestion sarcastique. Il n'y a rien ici, utilisez Canigou. On va lui demander ce qu'il pense. Une suggestion, Nick? Pourquoi pas Canigou? Les braves toutous du Commonwealth peuvent suivre une odeur sur des kilomètres. Et si vous alliez le chercher pour lui faire renifler ça, il réussira peut-être à pister l'odeur. Juste une chose, je sais que c'est une affaire personnelle. Si vous préférez retrouver Kellogg vous-même, dites-le, je comprendrai. En plus, vous avez déjà toute la compagnie qu'il vous faut. Pas besoin d'un régiment pour retrouver la trace d'un seul type dans le Commonwealth. Ouais, c'est pas faux. Alors, un conseil, je ne crois pas, au revoir Nick, venez avec moi. Un conseil. Vous avez un bon conseil à me donner? Si c'est bien Kellogg qui a enlevé votre fils, il est dangereux. Mais vous aussi, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de lui, ni de tout ce que le Commonwealth pourra mettre sur votre chemin. Ok. Alors, allez, on va lui dire quand même de venir avec nous. J'ai besoin de votre aide, Nick. Envoyez Codesworks à... On va l'envoyer à Sanctuary. Si. On va le retrouver, cet enfoiré. À partir de maintenant, c'est vous qui prenez les commandes, d'accord? Je suis à vos ordres. Dites, vous pouvez faire le gain une minute? Ou je lance un diagnostic? Pouf, merci. J'ai raté quelque chose? Ok. Allez, on va ressortir. Ah bah le voilà mon petit Canigou. Canigou, vas-y, sens-moi ça. Tu as une piste sarcastique, trouver Kellogg, trouver Sean. T'as une piste mon grand? Ok, nickel. Il a une piste. Donc voilà. Alors, commencer, retrouvailles, suivre Canigou. Ok. Donc, je pense, du coup, les amis, qu'on va s'arrêter, du coup, ici pour aujourd'hui. Hein. On en a pas mal découvert. On a réussi à ouvrir l'appartement de Kellogg.
Donc du coup, on fera cette mission dans le prochain épisode, parce que j'ai peur que du coup, ça dure quand même assez longtemps. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle était courte. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Abonnez-vous aussi à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné et que ma chaîne vous plaît. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.